Salut à tous! Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis dans mes travaux. On va faire un petit point, j'ai pas mal avancé. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Allez, venez avec moi! Alors, donc on va commencer par les murs en bloc de chanvre donc, qui sont terminés. C'est terminé à la chambre... C'est terminé au séjour, donc on a attaqué le plafond, donc je vous ferai une petite vidéo sur le plafond, c'est du lambris peuplier, donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus, le ponçage, tout ça, le traitement, comment s'en occuper en fait. Hein. Donc alors j'ai terminé mes appuis de fenêtre et mes tours de fenêtre, donc j'ai plaqué du fermacel contre le chanvre bloc et contre le contre les murs en pierre. J'avais peur qu'un enduit me fasse toujours de la poussière, donc j'ai fait un béton de chanvre avec un petit peu, enfin du chanvre, de la chaux et un petit peu de sable, ce qui me fait une bonne base solide sans pont thermique pour y coller dessus un appui en bois. Donc le plan de travail en granit, c'est du granit noir. Donc on en est vraiment super content, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La partie évier avec une cuve sous plan et un beau robinet, super qualité d'ailleurs, super robinet. Et donc en dessous, les raccords que j'ai fait, parce que j'ai amené l'eau du puits via ce robinet là. J'ai de l'eau du puits pour puiser dans la maison, ce qui m'a déjà pas mal servi. Donc avec une crédence en verre. Donc c'est un verre blanc, on a voulu quelque chose d'épuré, c'est à la fois moderne et enfin c'est même très moderne, quoique la modernité c'est encore assez subjectif. On a une différence de ton entre les deux verres par rapport à celui de la gazinière et le reste, puisque c'est du verre sécurite ici. Alors ne me demandez pas pourquoi ils ne sont pas capables de faire les deux mêmes couleurs. Enfin bon voilà, donc avec la haute. Le rendu est pas si mal. Donc d'un seul tenant, il y a 3,25 m, je crois 3,15 m de plan de travail en une seule pièce. Donc pareil sur la fenêtre de la cuisine, donc comme on va avoir encore un mini plan de travail ici, on a fait faire un bâti fixe quand on a fait changer les fenêtres, donc c'est des fenêtres en PVC. Donc je voulais pas de bois pour tout un tas de raisons. Certes le PVC émission de COV, plastique, etc. Mais enfin bon, moi l'entretien du bois, même si maintenant on peut faire bois alu, PVC à coup d'éponge c'est propre, il faut faire certaines concessions. Donc un petit placard dessous, donc il me restera à poser le rail. J'ai prévu un renfoncement ici pour mettre le rail du haut. Et donc avec deux portes coulissantes, donc ça me fait un petit placard qui paye pas de mine, sous le plan de travail impeccable. Le grand plan de travail avec un porte-à-faux de 38 cm dessous. Voilà, donc l'habillage de la partie ici du plan de travail se fera, je vous montrerai avec quoi dehors. Donc nous voilà sous la pentille, donc je vais vous montrer ce que j'ai récupéré, ce que m'a gentiment donné mon voisin quand il a démonté un appentis chez lui. Donc j'ai récupéré la ferme en chaîne qui me servira pour je sais pas quoi, mais ça pourra toujours me servir, même si une poutre qui est cassée, on pourra toujours arriver à récupérer ou des poutres ou tout ou partie de cette ferme pour en faire quelque chose de sympa. Également une grosse poutre en chaîne en bas là, on pourra également une fois nettoyée me servir. Ce sera certainement très, très utile. Et j'ai pu récupérer, je suis un peu dans la vidéo de Nico maçon du 47 dans sa cour des miracles aux matériaux, j'ai récupéré de la brique ancienne, parce que son bâtiment était très vieux. Donc j'ai toute une cargaison de briques et je vais pouvoir avec ma scie couper de la vraie fausse brique de parement pour habiller mon plan de travail. Donc pour habiller les briques de mon plan de travail, je vais pouvoir coller ça et faire des joints à la chose, ce qui me donnera à mon avis le plus bel effet sur mon plan de travail. Donc voilà, j'avais prévu d'en acheter tout fait, ça coûte un demi-bras. On constatait quand même pour en acheter, parce que ça coûte assez cher, on est autour de 30 € le mètre carré.
Bah là du coup ça me coûtera rien du tout, juste un peu de temps pour tout couper, voilà. Et mon plafond donc qui est en placo est fini, donc c'est mon premier plafond, c'est la première fois que je fais ça. Alors mon plafond de cuisine, donc j'ai mis les suspentes. Alors on n'oublie pas, c'est au maximum 60 cm entre deux rails. Donc là moi j'ai mis 50 et c'est une suspente au maximum tous les 120. Alors moi elle devait être à peu près tous les 40, voire tous les 50. Parce que j'avais de la suspente, j'en avais une boîte de 100, j'en ferai rien derrière, donc si c'est pour les stocker, parce que mon plafond est totalement dans tous les sens là, mes poutres c'est n'importe quoi, et que bah, j'aime bien que ça tienne quoi, donc vous allez dire que c'est exagéré, mais voilà, donc trois vis par suspente, je vais placer les rails, je mettrai mon isolant, et chante papa, chante maman. J'en ai rien à foutre, c'est moi qui les paye, je fais ce que je veux avec mes suspentes. Voilà, hein? C'est comme ça qu'on dit, non? Non, non, mais comme j'ai des poutres qui sont, voilà, je visse des fois dans des nœuds, j'ai des poutres qui sont pas bien belles à ces endroits-là, donc quand on visse, puis bon, qui peut le plus peut le moins, comme je dis, j'ai jamais fait ça, c'est la première fois, je blinde le boulot, faut que ça tienne. Voilà, voilou! Le moment que vous allez suivre pour en amuser plus d'un, tant par la technique que par le manque de dextérité, mais il s'agissait là pour moi de ma première fois. Je suis donc heureux de pouvoir dire que je ne suis plus vierge du joint de placo. J'ai fait un ratissage complet de tout le plafond.
pour éviter de voir les raccords de plaques, etc. Donc on a quelques traces, des traces de rouleau, parce que c'est une peinture écologique qu'on a pris, donc à base de craie. Donc ce qui fait qu'il y a des petites traces, donc on remettra certainement un petit coup de... On peut les voir ici, là. On remettra certainement encore une couche de peinture plus tard. Voilà, je suis assez satisfait du résultat. Très honnêtement, mon plafond, j'en suis super content parce qu'on ne voit pas de raccord de plaque. Et vraiment, ouais, c'est... c'est, pour moi, c'est super, quoi. Voilà. Donc j'ai fait aussi le raccord entre mes deux poutres. Donc j'ai utilisé la technique de Takayaka, je vous mettrai le lien au-dessus là, pour arriver à faire les contours de poutre sans avoir aucune fissure. Et là, je suis super content du résultat, ça n'a pas bougé, là ça fait quelques mois que c'est fait, et c'est franchement nickel. Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Donc j'ai maçonné une cloison que j'ai plaquée en fermacelle également pour y loger notre four. Donc là on a mis notre ancien four en provisoire, donc c'est un peu toujours cuisine camping, mais... tout se fait progressivement. Donc ici il y aura un grand placard avec un frigo qui viendra ici, on aura le four qui va venir ici, et tout du rayonnage de l'étagère. J'ai rejointé ce pilier là pour vraiment avoir aucune pierre qui dépasse, les joints à fleurs de pierre. C'est pareil, j'avais décrépi ce mur là et je l'ai rejointé également. Donc j'ai un écart avec le mur que les maçons m'avaient monté, donc j'ai un écart de profondeur ici. Donc je voulais pas retricher, remettre trop de pierres, c'était pas joli, j'avais essayé, c'était pas trop chouette, donc j'ai fait un espèce d'arrondi. Bon, c'est voilà, je suis à zéro en bas, je pars à zéro en bas, j'arrive à zéro en haut, et puis j'ai un creux là. Donc le mur là, il est légèrement creux, donc bon, c'est tout, on a suivi un peu les contours, voilà. Donc je suis assez fan de la pierre vue hein, en joint, je préfère ce type de finition à ce type de finition là, ça c'est une histoire de goût et de couleur. Pareil pour ce mur là, rejointé, j'ai dû recréer les briques ici, les démonter, elles étaient en fait, il y avait un passage de gaine qui passait là, et ils avaient coupé les briques, ça descendait jusqu'en bas, donc j'ai cassé des briques, je les ai enlevées pour en receler des nouvelles, pour cacher un petit peu la misère, et donc tout rejointé, parce que j'ai tout repiqué le mur, étant donné que c'était quand même le joint qui était existant à la chaux, pourtant était en très mauvais état, il s'effritait comme de rien. Donc le mur là était très sale, il y avait des chiens dans la maison avant qu'on la prenne, il y avait 5 chiens en permanence, bon, qui faisaient leurs besoins, c'était pas très propre, donc du coup ça m'a permis de rebrosser les pierres comme il faut, refaire les joints qui étaient dégueulasses. Donc restera encore à démonter cette porte, à enlever la peinture, à essayer de lui redonner un cachet un petit peu sympathique. Finir le plafond, donc on peut voir il est déjà bien commencé. Finir l'enduit de chanvre sur les blocs de chanvre. Puis voilà. Bon voilà, cette vidéo est finie. Donc je vous dis à une prochaine vidéo pour un petit peu plus d'action, on va dire. Un peu plus de travaux pratiques. C'est ça, on va dire, travaux pratiques. Donc on est dans le jardin. Je vous fais voir un petit peu, ce que c'est qu'un jardin type permaculture pendant que j'y suis. C'est le jardin de madame. Donc c'est un jardin... où tout pousse comme la nature veut bien le faire pousser. Il n'y a pas de randonnion, tout est mélangé, c'est du paillage sur butte. Donc je sais que pas mal de gens sont contre le système des buttes, nous ça nous réussit pas mal. Donc on mélange les fruitiers, quelques arbres, avec ici quelques poireaux perpétuels qui commencent à monter en fleurs, on a des fraisiers, on a de la sauge, on a des poireaux dépêchés, pêche de vigne. Les pommes de terre ne sont pas encore mises. On a fait la chasse aux doryphores sur celles qui ont repoussé naturellement dans le jardin sans qu'on les plante. Voilà, donc un jardin qui peut paraître un petit peu bordélique, mais qui en fait donne avec abondance et sans trop de travail, pas de labour. On a de la sarriette ici, un beau plant de sarriette. Les choux rouges, du choucal, exactement, du choucal rouge qui est monté en graines. Il faudrait qu'on pense à les enlever. Les pieds de rhubarbe, enfin bon,
Et j'ai encore autre chose à vous montrer pendant que j'y suis. Et là, on a un pied de houblon en démarrage. Donc j'espère que ça va se plaire. Que ça va me donner un petit peu de houblon. J'aimerais m'essayer à la bière. Donc les vidéos à venir, donc il y aura la pose de la crédence en verre, il y aura la pose du plafond. Je vais bientôt m'attaquer à poser les dalles de pierre. Enfin, il y a encore pas mal de travail, même si ça a bien avancé. Un peu de menuiserie après avec les placards, aux tiroirs. Bon, les tiroirs en soi, je ferai pas de vidéo, mais sur les façades de tiroirs. Et après, on attaquera ceci. Mais ça, ce sera pas avant l'année prochaine. Voilà. Donc, démolition de ces deux bouts de bâtiment dégueulasses là. Une terrasse ici, donc on va garder la base du mur pour faire une terrasse qui sera reprise sur le bâtiment ancien, historique, existant. Et donc la rénovation pas à pas de ce qui nous fera un gîte, voilà. Donc ça, ce sera une prochaine série de vidéos à venir dans une bonne année peut-être, ouais. J'espère attaquer dans une année. Voilà. Allez, je vous laisse. Salut.